Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, vous êtes avec Nico Guéjoutrez sur eSport FC 24 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence directement avec un match au stade Vélodrome où l'on reçoit le stade Rennais. Et pour cette rencontre, c'est mon équipe B qui est alignée. Et je vous préviens, on est très excité par ce match qui commence. On va vibrer tout de suite, le choc va démarrer. On est impatient de savoir qui va l'emporter et on va voir ça. Allez, c'est Moise Kean qui va donner le coup d'envoi de ce rendez-vous et c'est parti. Moussa, voici la composition de l'Olympique de Marseille. On attend les appels là des coéquipiers. Oh, le vilain tac, ça profite. À Ismaël Assar, la frappe une tête de Sarr et ça effleure le poteau gauche du gardien rennais. Et attention maintenant à la contre-attaque là des rennais. Il faut vite revenir. Allez, sans se jeter, la solide sur les appuis. Balerdi avec le brassard de capitaine. Ballon intercepté, mais il va de suite le rendre. Attention là, cette erreur du capitaine est magnifique. Arrêt de reste. Et attention, c'est pas terminé. Corner pour le Stade Rennais. C'est tiré par Bourigeaud, c'est tiré en plein milieu de la surface. Alors là, c'est pas du tout normal ce qui vient de se passer. Il a réussi à contrôler poitrine et enchaîner avec la frappe sans qu'aucun Marseille ne réagisse. Personne est allé dessus. Bon ben, fin bref, c'est l'ouverture du score du Stade Rennais grâce à un but de Terrier. Et revoyons ça au ralenti. Déjà, il y a Romero qui est immobile au premier poteau. Et derrière, c'est Balerdi qui était fautif à la base. Et là, sur le corner, qui reste inactif encore une fois. Allez, le pressing de Ismaïla Sarr, le ballon récupéré. Allez, il faut bien jouer le coup dans la profondeur pour Moise Kean. C'est passé dans le dos du défenseur. Allez, applique-toi, Moise Kean. Et là, voilà la réponse de l'Olympique de Marseille immédiatement après l'ouverture du score du Stade Rennais. Et ça fait maintenant un but partout grâce à un but de Moise Kean. Et il faut surtout saluer la récupération de balles hautes de... Je me rappelle plus qui c'était. Je sais pas si Ismaïla Sarr ou Zaha Lazare. Mais en tout cas, belle récupération, très bien enchaînée par Moise Kean. Allez, Soglo avec Moise Kean. Allez, c'est bien joué, c'est pas là que je voulais faire la passe. Là, le jeu, il grille des étapes, je comprends pas, à chaque fois ça me fait ça. Allez, on va ressortir sur Joscali. Zalazar, la frappe de Zalazar. Et ça s'écrase sur la barre transversale. Allez, Joscali, là, il faut faire l'effort de revenir. Et le centre au deuxième poteau, il s'est dégagé de la tête par le défenseur marseillais. Allez, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui va prendre le couloir. Lui, par contre, il a la vitesse pour faire la différence. Et il y est Moise Kean au centre. Il faut s'appliquer. C'est bien parti. La tête de Moise Kean. Et 2-1 pour l'Olympique de Marseille qui passe en tête dans ce match grâce à un doublé de Moise Kean. Eh, le centre de Ismaïla Sarr, il est millimétré. Hein. Le centre ne laisse aucune chance au défenseur et derrière la tête boxée avec le petit rebond juste devant Alem Dar, inarrêtable pour le gardien rennais. L'accélération de Royal qui va être rejoint là par Soglo et le centre directement dans les mains de Rest. Et voilà, c'est la mi-temps qui vient d'être sifflée par Madame l'arbitre et le score est de 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Allez, remplacement demandé côté marseillais, sortie de Kean, Samardzic et Romero, entrée de David, Guendouzi et Conrad de la Fuente. Allez, plus que 20 minutes à tenir avant la fin de ce match. Et Odebert qui va accélérer là dans le couloir, le centre au deuxième poteau. Et c'est au fond des filets, c'est l'égalisation au score du Stade Rennais grâce à un but de Bourigeaud. Et quel magnifique coup de boule de Bourigeaud, une tête surpuissante qui vient se loger pleine lucarne de Guillaume Rest qui ne peut rien faire.
Ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Allez, on va jouer avec Soglo qui monte pour apporter son soutien dans la profondeur. Pour David en retrait. Pour Zalazar, faut pas la rater, c'est la Zalazar. Et l'Olympique de Marseille qui va réaliser le hold-up grâce à ce but en toute fin de match de Zalazar. Et on a tout donné, on a tout donné. On ne pouvait pas laisser filer les 3 points de la victoire ici au Vélodrome. Et voilà, sans relâche, on a poussé et on a marqué. Juste avant de rentrer dans le temps additionnel qui est de seulement 2 minutes. Donc, bon, il faut tenir, mais normalement, c'est la victoire assurée. Allez, l'arbitre consulte son chronomètre et voilà, c'est fini! C'est terminé, c'est l'Olympique de Marseille qui l'emporte par 3 buts à 2. Il montre très bien la stabilité, l'autorité, l'inventivité. Et on enchaîne directement avec le choc des Olympiques. L'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome l'Olympique Lyonnais. Il y a des matchs qui ne sont pas comme les autres. Et celui-ci en est un. Qui va prendre le dessus dans ce choc? On va découvrir. Allez, c'est Jonathan David qui va donner le coup d'envoi de cet Olympico. Et c'est parti. En appui avec Malou Gusto. Allez, Gusto qui réussit à se retourner. L'accélération de Malou Gusto. Allez, faut s'appliquer sur le centre. La tête de Jonathan David, je crois, repoussé sur la barre par le gardien. Dans l'axe avec Guendouzi. On va jouer avec Alex Baena. Allez, on regarde bien le positionnement, le départ de nos coéquipiers. Dans la profondeur pour Marcus Edouard qui est passé. La frappe de Marcus Edouard. Et malheureusement, c'est beaucoup trop croisé. Ça passe à côté. Voilà, passe plein axe. Allez les gars, on craque pas. On est chez nous, au Vélodrome. Ça serait bien qu'on arrive à les battre au moins une fois. C'est Lyonnais sur ce... sur ce jeu, et magnifique arrêt de Alban Lafont. Et je crois qu'on n'a pas encore battu une seule fois Lyon hein, sur ce FC 24. Allez, ça c'est bien joué. Alex Baena à l'entrée de la surface. On écarte sur Malou Gusto. Allez, Malou Gusto qui lève la tête. On cherche des solutions. En retrait. Allez, encore en retrait. Et la frappe au premier poteau. Et là voilà l'ouverture du score dans ce choc des Olympiques. Et c'est signé le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats, Jonathan David. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Allez, Tagliafico qui accélère dans le couloir gauche. Peut-être un centre. Et la passe en retrait. Attention, c'est très bien joué. Et bel arrêt, encore une fois, de notre capitaine Alban Lafont. Et attention, c'est pas terminé. Corner pour les Lyonnais. C'est sûrement la dernière action de cette première mi-temps. Il s'est tiré par Kakeret au premier poteau. C'est dégagé par une tête marseillaise, mais ça va revenir immédiatement. Oh là 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 là, attention, c'est pas fini. Allez, faut pas craquer. Là, juste avant d'entrer au vestiaire. Et l'arbitre, lui, il siffle à mi-temps quand il veut. Je crois qu'il attend que les Lyonnais marquent. Non, c'est bon. C'est sifflé, c'est la mi-temps de ce choc des Olympiques. Et c'est l'Olympique de Marseille qui mène au score par un petit but à 0. Il est bien dans cette rencontre et il propose plein de bonnes choses. Et regardez, hein, les Lyonnais jouent très haut. Si on arrive à mettre le pied sur la balle, on peut leur faire très mal. Ouais, attention à Lirola qui risque à se retourner. Pour nous, faut qu'on reste concentré, faut pas qu'on se jette bêtement. Et voilà, et voilà. Et c'est l'égalisation au score de l'Olympique Lyonnais grâce à un but de Kakeret qui a magnifiquement bien coupé le centre de Lirola au premier poteau. Il a surpris tout le monde, la défense marseillaise et Alban Lafont. Et ça fait maintenant un but partout dans ce choc des Olympiques. C'est surtout de la coordination entre le départ du ballon et l'arrivée sur la tête.
Allez, là, faut s'appliquer sur le centre. Il y a du monde. On va ressortir sur Angel Gomez. On décale sur Matteo Guendouzi. Allez, on va réécarter là-bas sur Illiman Ndiaye. Allez, là, faut s'appliquer sur le centre. C'est compliqué. Guendouzi à l'entrée de la surface. La frappe de Matteo Guendouzi. Et c'est au fond des filets. Et l'Olympique de Marseille qui repasse en tête dans ce choc des Olympiques grâce à une frappasse de Matteo Guendouzi. Technique, vous voyez, il y a aussi le côté intelligence, le côté précision, le côté surprise. Ah, elle est belle, hein, cette frappe de Matteo Guendouzi. Tagliafico, la passe dans l'axe. Et attention, attention là, à pas trop se jeter. Ballon écarté. Allez, allez, sans faire de faute, sans faire de faute. Allez, Ignacio. Oh, c'était limite, c'était limite. Et Alban Lafont qui bouchait très bien le premier poteau. Il s'est pas laissé surprendre là. Et attention, c'est pas terminé. Corner pour les Lyonnais. Et c'est joué à deux. C'est joué à deux et c'est très bien défendu. Oh là là, oh là là, ce ballon rendu par les Marseillais aux Lyonnais, attention. Et c'est bien défendu. On rattrape bien nos erreurs. Et allez, Malogusto pour lancer une contre-attaque. On va jouer dans la profondeur. Pour Alex Baena, on va prolonger. Pour Marcus Edouard. Allez, dans la profondeur pour Angel Gomez. On prolonge pour Jonathan David qui est plus rapide. Et le face-à-face avec le gardien lyonnais. Et 3-1 pour l'Olympique de Marseille dans ce choc des Olympiques. Et grâce à ce but de Jonathan David, l'Olympique de Marseille se met à l'abri. Ça fait maintenant 2 buts d'avance pour les Marseillais. Et magnifique contre-attaque de l'Olympique de Marseille. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de la... Ballon écarté sur Jefinho. Attention là, attention, sans se jeter, mais ça veut pas me prendre le bon joueur, attention. Et oui, mais c'est lui que je veux depuis le début. C'est Ignacio que je veux depuis le départ de l'action. Mais il m'a donné tout le monde, sauf lui. Alors que c'était le mieux placé, c'était lui qui était face au jeu. Mais non, il veut pas me le donner. Et du coup, réduction au score de l'Olympique Lyonnais, grâce à un but de leur attaquant. Et du coup, ben, ils ont plus qu'un but de retard. Tout est relancé. On la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté, le gardien a... Allez, remplacement demandé côté marseillais, sortie de Ndiaye, Gomez et Baena, entrée de Sarr, Zalazar et Moussa. Allez, on va essayer de jouer dans la profondeur pour Edouard et ça va pas passer malheureusement. Et attention, la contre-attaque maintenant. Aïe, 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 attention à Ignacio qui est en retard sur son vis-à-vis. Et le beau décalage. Non, non, c'est un sketch, c'est un sketch. C'est pas possible. Bon, égalisation au score des Lyonnais, mais par contre, vous avez vu, j'avais, je sais pas si c'était Ignacio ou Pierrot Incapié qui était devant. Et le jeu m'a donné lui qui était derrière, donc lui qui était le moins bien placé. C'est illogique, c'est illogique. Ignacio aurait dû l'avoir ce ballon. Regardez, ça m'a filé le mauvais. Ah, c'est trop, c'est trop. Avec Piero Incapié. Allez, dans l'espace pour Matteo Guendouzi. On va prolonger là pour Ismaël Assar. Allez, allez, faut s'appliquer. Jonathan David, des magnifiques arrêts du gardien lyonnais. On va essayer de jouer le long de la ligne avec Ismaël Assar. Allez, Sarr qui réussit à se retourner dans la profondeur pour Zalazar. On va prolonger pour David. Allez, David. Et c'est en plein dans les bras du gardien. C'est dommage. Et l'arbitre qui va siffler la fin de ce choc des Olympiques. Et voilà, c'est terminé. Et on se quitte encore une fois sur un match nul. Eh bien, il y a une malédiction. On n'arrive pas à gagner contre Lyon. Et on enchaîne avec la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. L'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille. Il y a des matchs de foot et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. On n'attend plus qu'une chose maintenant, le coup d'envoi.
Allez, c'est Monaco qui va donner le coup d'envoi de ce derby du Sud. Et c'est parti. Ballon écarté, peut-être un centre maintenant. La passe en retrait, allez, sans se jeter, sans faire de faute non plus, ce serait bien. La passe en retrait. Oh, mon joueur, il était bloqué. Inacio, il était bloqué par le joueur de l'AS Monaco. Et belle frappe, bel arrêt de Alban Lafont. Et attention, c'est pas terminé. Corner pour les Monégasques. C'est tiré en plein milieu de la surface et c'est dégagé. Non, la belle tête du joueur monégasque et belle claquette de Alban Lafont. Et je pensais que Guendouzi allait l'avoir, clairement. Allez, nouveau corner pour l'AS Monaco et c'est Golovin qui va s'en charger. Et cette fois-ci, c'est dégagé loin devant par les Marseillais, mais ça va revenir, attention. Allez, mettez-vous devant, les gars, mettez-vous devant. Et bel arrêt, encore une fois, de Alban Lafont. Allez, on va jouer là, Baena, dans la profondeur pour David. Allez, le petit piqué. Oh, c'est sur la barre. C'est sur la barre pour Jonathan David. Mais bon, je pense pas que le petit piqué pouvait passer. Là, le gardien était sur sa ligne. C'était un geste compliqué, mais bien tenté. Dans l'axe avec Alex Baena. Et on renverse le jeu sur Nuno Mendes. Allez, dessus, dans la profondeur pour Ismaël Assa. Allez, là, faut bien jouer le coup. En retrait, c'est bien joué. L'enroulé de Jonathan David et bel arrêt de Paul Lopez, l'ancien gardien marseillais. Allez, c'est pas terminé. Corner pour l'Olympique de Marseille. C'est bien parti. Non, c'est repoussé par la défense. C'est pas terminé. Allez, en retrait là pour Edouard. On décale sur Inacio. La frappe de Inacio. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors là, clairement, c'était une frappe. Je m'attendais à rien. Parce que vu que c'est mon défenseur qui tire Inacio, voilà, je m'attendais pas du tout à ce que sa frappe soit crasée. Soit cadrée. Et finalement, c'est un boulet de canon qui vient perforer la cage monégasque et qui permet à l'Olympique de Marseille d'ouvrir le score dans ce derby du Sud. Ah, c'était inattendu. Et voilà, madame l'arbitre qui siffle la mi-temps de ce derby du Sud. Et c'est l'Olympique de Marseille qui mène au score par 1-0 grâce à une frappe surprenante de ce monsieur Gonzalo Inacio. Par-dessus pour Malo Busto, c'est bien joué. Allez, il faut s'appliquer sur le centre maintenant au deuxième poteau pour Ismaël Assar. Oh là là, il s'est jeté, il a tout donné. Oh là là, magnifique arrêt de Paul Lopez qui repousse le ballon sur son propre poteau. Dans l'espace pour Baena, dans la profondeur pour Jonathan David et malheureusement ça ne va pas passer. Et voilà, c'est la fin de ce derby et c'est l'Olympique de Marseille qui l'emporte par un seul petit but à 0. C'est une victoire et la règle est simple. Et on va conclure cette vidéo avec l'autre derby du Sud. L'équipe B de l'Olympique de Marseille se déplace pour affronter l'OGC Nice. Ce match, ce type de rivalité, c'est l'essence même du foot. Évidemment, c'est incontournable. Le coup d'envoi dans un instant. Allez, c'est les Niçois qui vont donner le coup d'envoi de ce derby du Sud devant leurs supporters. Et c'est parti. Allez, on va dédoubler avec Soglo. On va rejouer avec Ismaël Assar. Ça se trouve bien là côté marseillais. Allez, faut s'appliquer. La passe en retrait pour Moïskine. La frappe au premier poteau. C'est repoussé par Sérigou. C'est pas fini. Et si c'est fini, c'est une position de hors-jeu de Ismaël Assar. On écarte sur Soglo. C'est passé de justesse pour Soglo. Allez, le ballon par-dessus pour Ismaël Assar. Pas de position de hors-jeu. On va enchaîner avec la frappe. Et ça s'écrase sur le poteau. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille. C'est Samardzic qui va s'en charger. Et c'est bien parti. La tête de Moïskine. Et encore un magnifique arrêt réflexe de Sirigu. Allez, nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, c'est bien tiré. Moïskine. Et cette fois-ci, ça passe juste à côté. Je pensais qu'il allait avoir mieux. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite.
Allez, par-dessus pour Moïskine, la déviation de la tête est dommage. Allez, l'Olympique de Marseille, ce bail qui va le récupérer, ce ballon, c'est très bien joué. Dans la profondeur pour Moïskine, il ne faut pas le rater, c'est face à face. Mais il est incroyable, Sirigu, il ne laisse rien passer. Oui, bien ça, la récupération de Moïskine. Allez, Moïskine, allez, il faut aller au bout, il faut le mettre cette fois-ci. La frappe pour deux, Moïskine. Et là, voilà, l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille dans ce derby du Sud. Et il est signé Moïskine. Et ce but, on le doit à lui seul, car c'est lui qui va récupérer le ballon dans les pieds du défenseur. Et derrière, il y va tout seul, face à face avec Sirigu. Et cette fois-ci, il ne se manque pas. Il la met au fond des filets. C'est la présence défensive insuffisante. Allez, ballon écarté. De temps additionnel. Ou attention, ça va passer à la vitesse pour Boga. Il y a un peu d'espace sur le côté. Et attention à Ato qui s'est trop avancé. Le centre deuxième poteau. Et c'est trop long. Ça va passer au-dessus de tout le monde. Mais c'est récupéré par Youssef Attal. Le centre deuxième poteau de Attal. Et c'est bon, c'est capté par Guillaume Rest. Et voilà la mi-temps qui vient d'être sifflée par monsieur l'arbitre. Et le score est de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Mais clairement, il y a des espaces. On devrait déjà mener par 3-0. Ce n'est pas une défense, c'est un coffre-fort. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille. Il faut s'appliquer sur ce coup de pied de coin. Allez, c'est bien parti. Moïskine. Et 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui se met à l'abri dans ce derby du Sud grâce à un doublé de son attaquant et numéro 9, Moïskine. Et ça y est, il a enfin réussi à marquer son but de la tête sur corner. Par contre, elle est spéciale cette tête. Hein. Il a tiré en arrière. Hein, on va mieux voir là sur cette caméra, mais il est de dos à la cage. Ouais, il fait une tête vers l'avant, le ballon il part vers derrière, tout est logique. Allez, Boga. Boga dans l'espace pour Claude Maurice. Oh, la belle passe en retrait pour Boga, ça joue bien, ça se trouve bien côté de l'OGC Nice. C'est magnifique parade de Alban Lafont. Allez, Soglo. Par-dessus pour Ismaïl Assar. Allez, il faut s'appliquer maintenant. La frappe de Sarr, c'est sur le poteau. Encore un poteau dans ce match pour l'Olympique de Marseille. Allez, Romero qui cherche une solution. On va ressortir sur Joscali. Allez, dans l'espace pour Zalazar. Moïskine qui est tout seul. Et c'est au fond des filets. Et 3-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un triplé de Moïskine. Allez, ça fait plaisir aujourd'hui. Lui, dès qu'on le met titulaire, il rate pas l'occasion de mettre des buts. Et par contre, cette équipe B, qu'est-ce qu'elle me fait plaisir. Je l'aime trop, cette équipe B. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Keane, Romero, Zalazar et Soglo. Entrée de David, De La Fuente, Gomez et Nuno Mendes. Et attention, ce ballon par-dessus, c'est bien défendu par les Marseillais, mais ça va revenir, attention. Allez, le clean sheet là, on lâche pas avant la fin du match. Et bel arrêt de Guillaume Rest. Et l'arbitre siffle la fin quand il veut. Et voilà, c'est terminé, c'est l'Olympique de Marseille qui l'emporte par 3-0 dans ce derby du Sud. Et du coup, ça va être tout pour aujourd'hui les amis. Donc j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton des likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour aider à me faire connaître et surtout, merci à tous et on se dit à bientôt et allez-lo!